Par la voix de son président Lénine Moreno, l'Équateur renonce à accueillir les pourparlers de paix avec l'ELN. La guérilla colombienne est accusée de mener de violentes offensives à la frontière et d'avoir assassiné l'équipe d'un journal équatorien dans la région. Les négociations pour la paix pourraient se poursuivre au Brésil, au Chili ou encore à Cuba.